Alors, le prix ce soir est décerné au niveau du défi éco-vert à la société Matelot. Société durable Water Management. Bonsoir, vous êtes installé à Guérande. On va parler de ce produit, vous en avez dit beaucoup déjà sur le film. Vous parlez d'un géotextile, c'est quoi un géotextile? En fait, un géotextile, ça nous sert de support. Donc c'est un géotextile qui est en polyester 140 grammes au mètre carré. Et nous, en fait, ce qu'on apporte, c'est qu'on a créé une solution donc, qui est rétentrice d'eau. On imprègne le géotextile de cette solution. On passe sous des lampes UV pour la polymérisation. Et après, on fait sécher. Et après, quand vous trempez dans l'eau, en fait, il capte 20 fois son poids en eau. 20 fois son poids? Oui, d'accord. Tout à fait. Donc en fait, c'est un petit morceau de textile qu'on met dans le pot, en fait, quand on rencontre. Oui, en fait, nous, on produit en rouleau, si vous voulez. Donc on produit sur des grandes quantités. Ça peut être dans un pot pour un particulier ou voilà. Dans une grande... Exactement. Et après, en fait, ça se découpe au ciseau pour les particuliers ou pour les collectivités, les entreprises... Au lieu que l'eau soit drainée, en fait, le textile la stocke. Quoi, en fait. Exactement. En fait, il capte l'eau d'arrosage et l'eau de pluie et il la stocke. Et après, la plante, elle passe ses racines au travers et elle boit vraiment l'eau dont elle a besoin.